Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est le royaume inversé. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Evelyne. À tous, bonjour. Je parle à l'inverse. À l'inverse. Vous avez découvert le royaume inversé. À bientôt. Est-ce que tu veux nous faire le royaume inversé à l'envers? Tu es un spécialiste du verlan? Ah non, là, c'est même pas du verlan, c'est de la lecture inversée. Est-ce qu'on peut voir cette scène au ralenti, s'il vous plaît? Mais il existait un moment, il y avait la mode d'écouter la musique à l'envers pour écouter les messages subliminaux. Alors, vous pouvez essayer chez vous, écoutez Bonjour chez vous à l'envers pour voir si... J'ai jamais connu cette mode-là. Non, c'était à l'époque des vinyles. C'était en l'an 40. Oui, à l'époque où on avait des disques et des vrais tourne-disques. Et on tournait le disque à l'envers et on entendait des fois des mots et certains disaient il y a des messages subliminaux pour vous. Vous avez jamais entendu C'était un autre siècle. C'était les Allemands qui faisaient passer des messages codés pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette émission commence avec beaucoup de profondeur. Donc on va commencer l'émission par la fin aujourd'hui. Non, plus sérieusement, on va voir que le royaume inversé, c'est tout simplement ces principes qui nous paraissent tout à fait logiques dans le monde, qui sont totalement évidents, mais quand on lit la Bible, on voit qu'en fait, c'est l'inverse. C'est ça. Par exemple, donner et vous recevrez, servir l'autre pour être finalement le plus grand, aimer ses ennemis, etc. Je ne vais pas tout citer parce que je pense que tu donnes des exemples dans ta pensée du jour. Mais c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et toi, Jonathan, tu vas justement nous donner un petit conseil en lien avec ça. Georgina de France demande comment dois-je me comporter avec mes frères en Christ après avoir vécu plusieurs déceptions. Ce sera ton pasteur, j'ai une question. C'est pas compliqué, il faut bien se comporter. Il faut bien se comporter. Tu vas détailler, bien entendu. Et Nadine, aujourd'hui, tu nous présentes un album. Oui, aujourd'hui, on a une première. On a l'album Porte Ouverte, de Louange Porte Ouverte, et on va les avoir tout à l'heure en Skype. Wow. Ils vont pouvoir nous parler de ce nouvel album Un Moment avec toi. Bonjour chez vous, passez à un nouveau niveau de technologie. Une nouvelle dimension. Nous sommes entrés dans la nouvelle saison. On a enfin découvert Skype. On a arrêté de tourner les disques à l'envers pour ça. On m'a dit que Skype n'existe plus. Maintenant, c'est WhatsApp. En tout cas, nous allons commencer cette émission avec toi, chérie, dans la pensée du jour. Alors oui, dans la bonne humeur, on va donc continuer avec cette pensée du jour. Et je l'ai intitulée pour rester avec le thème du royaume inversé, c'est-à-dire le royaume qui est vraiment à l'envers par rapport à ce que le monde nous apprend depuis qu'on est tout petit, qui est à l'opposé de la logique du monde, de ce que le monde voudrait. J'ai intitulé cette pensée « Les choses folles du royaume de Dieu ». Parce qu'aux yeux du monde, parfois, le comportement des enfants de Dieu paraît comme être une folie. Mais c'est parce que Dieu a voulu ainsi qu'on agit ainsi. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 1, 26 « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. » Alors aujourd'hui, je vais vous partager quatre de ces choses qui paraissent folles aux yeux du monde. C'est la première, c'est pour être le plus grand dans le royaume de Dieu, il nous est enseigné qu'il faut être serviteur de tous. La logique voudrait que pour être le plus grand, il faut dominer les autres, il faut faire preuve d'autorité, il faut donner des ordres aux autres. D'ailleurs, les gens admirent ceux qui sont et aimeraient devenir comme ceux qui ont de l'autorité et ceux qui sont servis par les autres. Mais Jésus va dire exactement le contraire. Il va dire que dans le royaume de Dieu, celui qui veut être le premier, celui qui veut être le plus grand, doit être serviteur de tous. Il le dit dans Matthieu 20, 26, « Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Donc Jésus vient renverser cette logique humaine pour apporter quelque chose qui semble illogique, c'est que si tu veux être grand et le premier, tu dois servir tout le monde. Alors, ce n'est pas très productif, on va dire, mais pourtant, c'est ce qu'il nous demande de faire. Et on sait que Dieu est la vérité. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Le deuxième point, c'est aimer vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. La logique voudrait que quand quelqu'un te fait du mal, quand quelqu'un te blesse, quand quelqu'un t'écrase, tu es du répondant, tu
tu te venges, tu t'éloignes, tu prends tes distances, tu médis. Mais Jésus va dire exactement le contraire. Jésus va enseigner dans Luc 6, 27, « Mais moi, je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe à une joue, présente-lui l'autre joue. Et si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. » On voit encore que Dieu ne pense pas comme les hommes pensent. La troisième chose qui paraît folle, c'est pour devenir plus riche, il faut donner. Alors, dans le monde, si on veut devenir de plus en plus riche, il faut investir, il faut épargner, c'est logique. Il faut, mais donner, tu perds en fait. Quand tu donnes, ce n'est plus à toi, c'est à celui à qui tu as donné. Donc c'est une perte selon les pensées du monde. Mais dans le royaume de Dieu, la Bible nous enseigne, Proverbe 11, 24, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Jésus va renchérir en disant dans Luc 6, 38, « Donnez et il vous sera donné. » Donc là encore, on voit que le royaume de Dieu nous enseigne des choses qui semblent illogiques, complètement à l'envers. Et le quatrième point pour finir, pour avoir la vie, il faut perdre sa vie. Alors là, c'est le summum. C'est Jésus va dire dans Marc 8, 35, « En effet, celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. » Bon, bien sûr, ici, ça parle aussi du salut, mais ça parle aussi d'une vie heureuse, parce que finalement, plus on perd sa vie, plus la vie de Dieu se manifeste en nous, et plus on est heureux. C'est complètement illogique. On voudrait profiter de la vie pour en jouir d'un maximum et vivre pleinement. Et Jésus va dire, si vous voulez vivre pleinement, c'est le contraire. Il faut perdre sa vie. Alors, une question que j'aimerais vous poser pour conclure aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes au quotidien davantage dirigé par les principes sages selon le monde, ou sommes-nous davantage dirigés et influencés par les principes qui semblent d'apparence fous du royaume de Dieu? Bonne question qu'on peut se poser, et c'est vrai, le royaume inversé, comme on l'a intitulé, n'a pas de logique selon la logique humaine et nous pousse à faire des choses qui nous rendent finalement fous aux yeux du monde, effectivement. Ça n'a aucun sens, en fait. Les points que tu as cités n'ont aucun sens, aucun fondement. On explique ça à quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, la personne va se mettre à rire, va dire « vas-y, je te laisse faire ton expérience ». C'est illogique. C'est complètement illogique, effectivement. Et pourquoi c'est illogique? Notre verset du jour va nous le dire. Ésaïe 55, au verset 9, Dieu dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées ». Et c'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre si on veut comprendre ce fameux royaume inversé, qu'il n'y a pas de logique. Et si on essaye de l'interpréter, de trouver une compréhension, de dire « oui, mais c'est parce que si je fais ça, ça va faire ça, ça va faire ça », une espèce de relation de cause à effet, non, ça n'a aucun sens, parce que notre intelligence n'a pas été calibrée pour comprendre ces choses-là. Dieu a une intelligence supérieure à la nôtre, il a des pensées supérieures aux nôtres, et en fait, on va simplement se perdre si on essaye de comprendre ces principes complètement fous. Ça, parce que le royaume de Dieu n'a rien à voir avec les royaumes que l'on peut trouver sur la surface de la Terre. Des fois, on dit de quelqu'un qui est un peu différent des autres, il vient d'une autre planète. Bah, quelque part, les chrétiens viennent d'ailleurs, notre cité à nous, dit l'apôtre Paul, elle est dans les cieux. C'est vrai. Et donc, c'est d'autres valeurs, c'est d'autres règles. Bon, on le comprend quand même, il n'y a pas longtemps, j'étais dans l'hémisphère sud, et tout est inversé. On a la tête en bas. Quand on est dans l'hémisphère nord, on dit « Ah, il fait froid, il y a un vent du nord ». Quand on est dans l'hémisphère sud, on dit « il fait froid, il y a un vent du sud ». Et le vent chaud vient du nord et le vent froid vient du sud. Alors, il faut pas mettre une chambre au nord dans l'hémisphère nord, parce que c'est la chambre la plus froide, tandis que dans l'hémisphère sud, c'est la chambre qui est au sud qui est la chambre la plus froide. Tout est inversé. Bon. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. C'est ça. Et là, c'est juste sur notre petite planète. Mais nous, on est d'un autre royaume où les règles sont différentes, la pensée de Dieu n'est pas celle des hommes. Alors, ce serait une pure folie que d'essayer de faire fonctionner le royaume de Dieu avec les règles des hommes qui sont misérables, imparfaites et folles, alors que le royaume de Dieu est bien supérieur et de meilleure qualité et avec des règles qui sont sûres, vraies, avec une justice qui est parfaite. Exactement, mais si justement on est influencé par le monde, on vit dans ce monde, on a même l'éducation même qu'on reçoit, la plupart du temps nous emmène à des principes du monde, comment on peut faire pour être influencé par ces principes du royaume ?
Ben, il y a un verset qu'on cite souvent, en fait. Les prédicateurs, on les entend souvent citer ce verset. C'est « L'homme est comme les pensées de son âme ». Mmh. C'est-à-dire que finalement, ce sont les pensées de l'homme qui dirigent les actions des hommes. Et c'est vraiment important de comprendre que si on veut changer de vie, il faut changer nos pensées. Donc, tout se passe au niveau des pensées. Si tu changes ta façon de penser, ta mentalité, tes actions vont changer, ton comportement va changer. Donc, la question, c'est comment, en fait, faire pour changer ses pensées ? Ce que j'allais te demander. Voilà. Donc, pour changer ses pensées, quand on est de nouveau, en fait, on rentre dans le royaume de Dieu, notre cœur est changé. Là où il y avait de la haine, on va se mettre à aimer. Il y a plein de choses qui changent à l'intérieur. Mais notre façon de penser reste, pour la grande majorité, formatée comme on l'a appris depuis tout petit. Si on nous a appris de réagir d'une certaine façon, on va continuer à réagir d'une certaine façon, à moins que la vérité de la parole de Dieu nous affranchisse et change notre mentalité. Ce que Paul va dire dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence, transformée, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mmh. » Donc, le renouvellement de nos pensées est vraiment important parce que c'est ça qui va faire qu'on va cesser d'être ignorant concernant ce que Dieu pense. On va commencer à penser autrement et en pensant autrement, on va agir comme Dieu veut agir. Et c'est ce qu'il a dit à Josué, le conseil qu'il lui a donné lorsque Josué a pris la succession de Moïse. Il lui a dit... Josué 1,8, je crois, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et là, on voit que le seul moyen en fait, de changer ses pensées, c'est d'aller dans la parole de Dieu et de la méditer le plus possible. Et plus on va la méditer, parce que tous les jours, on est exposé au système de fonctionnement du monde, au travail, à la maison, dans les médias. Mmh. Et ça rentre en nous, quelque part. Mais là, il faut créer le contrepoids, en fait. Mmh. Là où le monde veut rentrer en nous, les pensées du monde, le système de pensée, nous, on va aller dans la parole de Dieu. Mmh. Et on va laisser les pensées de Dieu nous pénétrer beaucoup plus que celles du monde. Et quand la parole de Dieu est en nous et que les pensées du monde veulent nous influencer, tout de suite, ça bloque, ça ne rentre pas. Parce qu'on a la vérité, et la vérité dit « Non, ça c'est un mensonge, ça c'est pas Dieu, donc je veux pas. Mm-hmm. » Et puis, donc, méditer la parole de Dieu. Et deuxièmement, Éphésiens 4, Dieu a donné des hommes de Dieu, des dons dans le royaume de Dieu, des enseignants, des hommes qui ont une onction pour expliquer les choses du royaume de Dieu au peuple de Dieu. Dieu a voulu finalement faire une école, et cette école, c'est l'Église. L'Église évolue aujourd'hui aussi avec, quelque part, les médias, ce qu'on fait aujourd'hui à UMCI. Oui. Dieu se sert, en fait, de ceux qu'il a établis pour enseigner les hommes, comme à l'école, et leur faire comprendre les réalités, les principes du royaume de Dieu, sa façon de penser. Mais là, j'aimerais juste dire une petite parenthèse pour finir ce point. C'est qu'il faut faire attention à qui on écoute. Mmh. Parce que beaucoup se disent enseignants aujourd'hui, mais quand on les écoute, on ne voit pas Jésus. Ni les principes de Jésus. Et finalement, on ne voit pas l'enseignement des apôtres. Mmh. Et j'aimerais encourager ceux qui, justement, veulent connaître Dieu, grandir, n'écoutez pas n'importe qui, mais choisissez réellement qui sont vos enseignants. Mmh. Écoutez des personnes, et quand vous les écoutez, est-ce que ce qu'ils disent correspond à ce que les apôtres disent ? Ou est-ce que ça vient des hommes, ça vient des systèmes de pensée des hommes ? Et si c'est ce que les apôtres ont enseigné, ce que les gens disent, alors je suis sûr que c'est ce que Jésus lui-même a enseigné. Mm-hmm. Donc tout va bien. Mm. Amen. Oui. Amen. Mais le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, l'amour par le Saint-Esprit. Et je pense que aussi pour justement contrer cette mentalité qui nous est bombardée depuis notre naissance, de la façon dont on vit dans le royaume dans lequel on est, parce que le royaume de ce monde, c'est le pouvoir, c'est l'avancement, c'est toutes ces choses, c'est l'individualisme et tout. Je crois que vraiment, il faut désirer rencontrer, marcher quotidiennement avec l'Esprit de Dieu, en fait, avec le Saint-Esprit, pour que nous soyons vraiment remplis de lui et que vraiment c'est lui en fait qui enlève les écailles de nos yeux et qui nous fait voir des choses différemment, qui nous fait
rechercher ces choses qui ne sont pas tangibles, comme la paix, la joie, qui nous fait marcher dans l'amour, qui nous fait chercher ces choses qui sont contraires aux choses du royaume de ce monde. Et je crois qu'en tant que chrétien, le renouvellement de notre intelligence, de notre pensée, va passer par la parole de Dieu, mais vraiment aussi, vraiment une consécration personnelle. Hein, parce que des fois, oui, on est exposé à des enseignements, et c'est bien, mais des fois, je vois souvent beaucoup de gens qui vont écouter des messages, mais eux-mêmes, dans leur vie de tous les jours, il n'y a pas ce désir, cette résolution de vraiment dire « Saint-Esprit, parle-moi, communique-moi, remplis-moi de toi, transforme-moi vraiment pour que je puisse manifester et aspirer à ces choses du royaume des cieux. » Parce que des fois, on l'écoute, mais au fond de nous, on n'aime pas, on veut encore rester dans les choses du monde, mais on l'écoute de façon intellectuelle. Mais vraiment, lorsqu'on est réellement transformé et qu'on vit ce royaume inversé, comme on parle aujourd'hui, mm-hmm. c'est vraiment là qu'on devient mm-hmm. des citoyens qui sont pas de ce monde, mais dans ce monde. Oui. Il y a un verset qui est très clair dans la parole qui dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et puis afin aussi que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Discerner les trois dimensions de la volonté de Dieu, bon, agréable, parfait. Et la Bible, en fait, nous enseigne pour tout ce qui concerne notre vie. Tout ce qui concerne pour notre vie et notre piété, d'ailleurs, elle dit. Et moi, j'ai aimé la question que posait Mika, en fait, c'est à quoi elle ressemble, en fait, notre vie? Est-ce qu'à quoi elle ressemble, votre vie, aujourd'hui? Comment vous vous comportez dans votre travail pour une promotion? Est-ce que c'est Dieu, votre puissance de promotion? Ou est-ce que vous êtes dans la flatterie? Est-ce que vous êtes dans les schémas de requins pour abaisser les autres et pour monter? Alors que les principes de Dieu, en fait, sont très clairs. Mm-hmm. Pour les finances, sont très clairs pour la santé. Et je vois des gens, peut-être aussi, tu sais, qui, genre, partent à la retraite, et commence à avoir une santé qui se dégrade. Mais selon l'histoire de Caleb, c'est pas l'héritage des enfants de Dieu. Donc le renouvellement de la pensée, le renouvellement de l'intelligence va nous amener à comprendre et discerner la volonté de Dieu, comment on l'exerce dans notre vie, comment on, justement, selon ces principes du royaume inversé, en fait, on devient capable. Comment est-ce que dans la prison, on devient comme Joseph, on devient non seulement l'intendant dans la prison, mais aussi on devient le premier gouverneur de l'Égypte. Tout ça, c'est des choses folles, mais c'est les principes de Dieu. En gros, les principes de Dieu, ben, c'est juste, soit surtout très attaché à Dieu, Amen. Soit très attaché à sa parole, mm-hmm. parce que c'est suffisant, en fait, pour renverser toutes sortes de situations, toutes sortes de montagnes. Mm-hmm. Et on le voit parce qu'eux n'avaient pas cet enseignement dans l'Ancien Testament. Mais ils avaient l'attachement à Dieu, au cœur de Dieu, ils avaient l'attachement aussi à sa fidélité, à sa bonté. Mm-hmm. C'est pourquoi Joseph, sans avoir ce qu'on avait comme écrit, nous, mm-hmm. il avait cette puissance de promotion en lui, mm-hmm. parce qu'en lui habitait la communion avec Dieu, oui. ce qui faisait qu'il avait aussi ce cœur de Dieu, mm-hmm. et à cause de ce cœur de Dieu, de cette intégrité, de cette loyauté, il a été propulsé et il a eu cette promotion. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est juste être passé du temps avec Dieu, connaître sa parole, et on découvre quels sont justement les principes du royaume inversé. On verra mm-hmm. que ça porte du fruit. Ouais. Et alors que tu parles, ça me fait penser, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mm-hmm. Et vraiment, dans le principe, dans le royaume de ce monde, qui est un principe d'où est-ce qu'on doit gravir les échelons par nos propres forces, gravir des échelons en écartant ceux sur notre chemin. Mais vraiment, j'invite les personnes à, pour vraiment manifester de façon glorieuse ce royaume dans lequel nous appartenons alors que nous avons choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est de marcher avec cette crainte de l'Éternel. Mm-hmm. Et la crainte de l'Éternel va nous donner une sagesse qui est la sagesse de Dieu et va nous permettre à nous d'évoluer dans ce nouveau royaume dans lequel on est et de vraiment briller dans le royaume des ténèbres qui est le monde dans lequel on vit. On ne peut pas influencer des personnes si nous réfléchissons comme eux. On ne peut pas influencer des gens si quand on arrive au travail, bien on applique les mêmes règles, on applique les mêmes raisonnements. Mm-hmm. Mais lorsque, comme il a dit, on donne au lieu de vouloir recevoir, lorsque mm-hmm. on élève, lorsque on encourage, lorsque on manifeste ces choses qui sont ceux du royaume, ce verset quand Jésus dit, ben si prends ton manteau, donne-lui sa tunique. Waouh, mm-hmm. c'est quand même fort. Mais si on manifeste ces choses-là, c'est là maintenant qu'on va influencer. Mais nous-mêmes aussi, pour qu'on puisse les manifester, il faut d'abord qu'on ait conscience de qui est Dieu et qu'on ait cette crainte de Dieu et qu'on sache qu'en fait, si je mets en principe les principes de mm-hmm. Dieu, je ne suis pas en train de régresser.
il y a des fois des personnes qui mettent ces principes en place, mais en même temps, ils n'y croient pas, ils ont l'impression qu'ils vont perdre. Mais non, c'est vrai que quand tu donnes, tu vas recevoir pour de vrai. C'est pas juste un slogan, c'est pour de vrai, ça marche. Mais vraiment, c'est dans cette crainte de Dieu, c'est dans cette communion, comme tu dis, Gwen, que vraiment ces choses vont se manifester. Et là, il y aura vraiment un impact et nous allons vraiment briller tel que nous devons briller en tant que chrétiens. C'est ça, dans Matthieu 13, Jésus donne toute une série de paraboles sur le royaume. Le royaume des cieux est semblable à... Et grosso modo, il y a deux enseignements essentiels là-dedans, c'est que ce qui est petit devient grand. C'est juste un grain de moutarde, un grain de CNV, puis ça devient grand. Ou alors c'est ce levain qui vient faire grossir toute la pâte. Et le royaume des cieux, donc, c'est ce qui est insignifiant, ce qu'on ne considère pas, ce qu'on considère comme petit en disant « c'est pas grand-chose ». Quand Jésus est venu, on l'a méprisé. Mmh. Et pourtant, ça, c'est devenu grand. Mmh. Et il y a un autre principe, c'est celui avec les paraboles de la perle de grand prix ou de ce trésor, c'est que c'est précieux. Mmh. Et là-dessus, c'est notre responsabilité de chercher ce royaume, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et d'avoir cet attachement, comme disait le Gwen, de dire ben, « j'aime ce royaume, je le cherche et j'y mets mon cœur ». Et si pour vous, ce royaume inversé est complètement fou et puis ça ne marche pas, c'est que vous ne le connaissez pas. Parce que plus on est loin de ce royaume, plus ça nous paraît insensé, ça ne fait pas de sens et puis ça vient nous chercher. Mais plus on est attaché et puis on le chérit, et plus on dit « mais non, mais c'est ça le vrai royaume, le reste c'est… » C'est ce que le diable a proposé à Jésus en lui montrant tous les royaumes de la terre. Et donc, le premier mot du thème de la journée est capital, découvrez. Et si vous ne le savez pas, s'il y a une méconnaissance, eh bien, prenez le temps, relisez les paraboles du royaume, écoutez Jésus, cherchez, laissez le Saint-Esprit parler à votre cœur, mais cherchez le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça qu'on cherche. Le reste nous est donné par-dessus. Amen, amen. Et je pense un point fondamental aussi, c'est de le faire avec une motivation totalement désintéressée, parce qu'on ne donne pas parce qu'on veut recevoir. Mm-hmm. On ne bénit pas nos ennemis parce qu'on veut que ce soit à notre avantage. On le fait parce qu'on veut plaire à Dieu, parce qu'on a une crainte de Dieu. Et oui, par amour pour Dieu, parce que pour nous, on sait que Dieu veut qu'on le fasse, veut que ses enfants agissent comme ça. Et c'est notre motivation première. Moi, je veux plaire à Dieu. Et Jonathan, on va un petit peu parler, je pense, d'un point de ce royaume inversé avec notre pasteur. J'ai une question de Georgina de France. Comment dois-je me comporter avec mes frères en Christ après avoir vécu plusieurs déceptions? Et puis, ben oui, hein, les déceptions, on en vit dans la vie, Jonathan. C'est ça. Puis, si on lit entre les lignes, je ne sais pas si tu aimes bien lire entre Georgina, les lignes, mais, Jonathan. Mais la fin de la question, après avoir vécu plusieurs, pas une déception, en disant ça commence à être fatigant cette affaire-là. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est plusieurs fois. Et on comprend que ça peut amener une lassitude, un agacement. On dit bon, ben là, quand même, il commence à me fatiguer. Un jour, on pose la question à Jésus, on dit là, quand même, combien de fois il faut pardonner mon frère? Là, ça, il commence. J'ai vécu plusieurs déceptions. Notez bien que quand on pose la question à Jésus, on parle du frère. On ne parle pas de l'ennemi ou de l'inconnu ou de l'étranger. Et Jésus, et on lui dit 7 fois, et Jésus dit non, 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 pas 7 fois, 7 fois, 77 fois. Alors, il y en a qui vont faire les calculs en disant bon, ben lui, il n'est pas loin du chiffre. Alors, pour ceux qui font des calculs, vous n'avez rien compris, le 7 fois 77 fois, ce n'est pas un chiffre qu'il faut noter dans votre petit calepin, puis vous dites dès qu'il a passé son temps de grâce. Alors, si ça peut vous aider, considérez que c'est 7 fois 77 fois par jour. Wow. Hein, comme ça, c'est plus simple. C'est pas mal. Et vous aurez compris qu'il n'y a pas de limite donc, à l'infini et à cet amour-là. En fait, c'est ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout, y compris plusieurs déceptions. Et l'amour excuse tout, y compris plusieurs déceptions. Alors, évidemment, ça prend un peu de sagesse. Vous n'allez pas... Il ne s'agit pas de tomber dans comment dire, de se laisser taper ou marcher sous les pieds ou toute autre affaire. Mais la clé ici, c'est le cœur. Parce que la déception, c'est un sentiment que l'on vit, nous. C'est pas, on ne parle pas ici de ce que fait l'autre. On parle de ce que l'on ressent, nous. Parce que peut-être que l'autre peut mal agir, mais on ne sera pas déçu. Peut-être que l'autre va avoir une mauvaise parole, mais ça ne va pas nous blesser. Mais
si ça vous blesse, si ça vous déçoit, c'est déjà à veiller sur votre cœur et ne pas laisser une racine d'amertume rentrer dans votre cœur, mais plutôt de la bonté, de la générosité et de l'amour. Et donc, Georges Hénin, s'il n'y a pas de déception, si déjà on a gommé un peu cette déception, puis il n'y a pas cette rancune, cette amertume et cette blessure, si cette blessure est guérie, c'est beaucoup plus facile après de gérer cela et de bien se comporter. On va se comporter mal quand on est blessé. Mmh. Et quand on veut soigner un petit chat blessé, il va nous griffer. Hein, donc, des fois, la griffure vient, la blessure vient du fait que l'on est blessé. Parce qu'on est blessé, on blesse les autres. Mais si on est guéri dans son cœur, ça va être beaucoup plus facile de bien se comporter avec le frère en Christ qui nous a amené plusieurs déceptions. Mmh. Maintenant, dans le contexte, Jésus dit aussi, s'il a péché, tu le reprends. Mmh. D'accord ? Donc, ça ne veut pas dire, il m'a déçu, alors je pardonne et je dis rien. Non, s'il a déçu, il faut corriger, il faut amener la vérité, il faut dire, écoute, ce que tu as fait n'est pas bien, ce n'est pas correct, mais il faut le faire, évidemment, avec amour. Et toujours dans une mesure de grâce. Et si on reprend quelqu'un, ce n'est pas pour lui dire « Écoute, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. » Et puis on donne un coup de bâton mm-hmm. ou de rouleau à pâtisserie ou de ce que vous voulez. Mais il s'agit plutôt de dire « Je te le dis pour toi, pour ton bien, pour que tu grandisses, pour que tu fasses mieux, pour une rédemption. Mm-hmm. » Donc, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais grosso modo, il faut aimer. Mm-hmm. Et puis, s'il n'y a pas de limite, 7 fois, 77 fois par jour, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Et je pense à une petite chose à laquelle je pense pendant que tu parles, c'est de ne pas généraliser. Parce qu'on dit, finalement, on finit par dire, bah, les chrétiens, finalement, sont mm-hmm. moins bons que les gens de l'extérieur. Mm-hmm. Je préfère ne plus fréquenter de chrétiens. Je l'ai déjà entendu, malheureusement, oui. souvent, cette phrase-là. Je préfère être avec des incroyants parce que les chrétiens m'ont tellement déçu, m'ont tellement blessé. Je préfère ne plus aller à l'église parce que je me fais décevoir. On me déçoit sans arrêt, etc., etc. Alors là, peut-être, il faut se souvenir de ce que Jésus a dit aussi, en disant qu'on sera mesuré à la mesure qu'on mesure les autres. Mmh. Dans le sens qu'un frère vous a déçu, mais est-ce que vous avez déjà déçu quelqu'un ? C'est ça. Et comment l'autre réagit lorsque vous l'avez déçu ? Mmh. Si vous êtes sévère envers ceux qui vous ont déçu, Dieu sera sévère envers vous de la même manière aussi. Oui, exactement. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette bonne réponse qui nous montre encore une fois que la logique humaine, dans certains cas, ne fonctionne pas, en fait, presque dans tous les cas. Hein. Vu, en tout cas, toute la discussion qu'on a eue jusqu'à présent, je pense qu'on a bien compris que... Mon royaume n'est pas de ce monde. Le réflexe qu'on aurait... Oui, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, je voulais dire que ce qui est important, c'est de comprendre et de croire de tout notre cœur que les valeurs du royaume de Dieu sont supérieures aux valeurs du royaume du monde. C'est-à-dire que l'amour est plus fort que la haine. Mmh. Donc, même... Quand un chrétien manifeste vraiment les valeurs du royaume de Dieu, il devient une lumière par rapport aux ténèbres, et on sait que la lumière fait fuir les ténèbres. Mmh. Donc, quelque part, en étant comme Jésus veut qu'on soit, mmh. on va être des aimants, mmh. au lieu d'être des gens qui répulsent les gens du monde. On va les inspirer et les attirer à nous. Amen, amen. Soyons des aimants. Nadine, on va continuer avec toi dans la rubrique « Culture et médias ». Donc Nadine, tu nous présentes l'album Un moment avec toi, de Porte Ouverte. Oui, Porte Ouverte, Louange Porte Ouverte, si ça vous dit quelque chose, c'est l'église Porte Ouverte de Mulhouse qui existe depuis 1966. Une grande église qui a vraiment un grand rayonnement et leur équipe de louanges est un groupe de louanges en soi. Et ils ont un album qui s'appelle Un moment avec toi et tout à l'heure, on va les avoir avec nous, deux personnes du groupe en tout cas qui vont nous parler de l'album. L'album sort, est récemment sorti le 11 octobre. Et avant de commencer, j'aimerais bien qu'on écoute un premier extrait de leur chanson Il vit encore. C'est une chanson qu'ils ont composée eux-mêmes. On va l'écouter tout de suite. Avec le ciel, écoutez cette bonne nouvelle. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Peut-être es-tu abattu, sache que rien n'est encore perdu. Lève-toi et crie-le fort. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Jésus n'est pas mort, il vit encore.
Alors, bienvenue Géraldine Widmer et Mathieu Kluger. Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir pour ce nouvel album de Porte Ouverte. Et avant qu'on commence, est-ce que vous pourrez tout simplement vous présenter à la francophonie pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui vous découvrent aujourd'hui? Ah, honneur aux dames. Alors, enchantée, moi c'est Géraldine Widmer. Alors, je suis conductrice de louanges à la Porte Ouverte et chante en tout cas depuis mon adolescence ici. Yes, et moi c'est Mathieu Kugler, donc aussi un des conducteurs de louanges de l'équipe de la Porte Ouverte. Et voilà, aussi un des enfants de l'église qui a grandi dans l'église et qui aujourd'hui voilà, sert à travers ses projets musicaux. Amen, amen. Et donc là, on parlait en fait du nouvel album que vous venez de sortir tout récemment. Est-ce que vous pourriez juste nous expliquer un peu l'inspiration? Je sais que vous chantez dans l'église, vous venez de le dire depuis longtemps et tout ça, mais quelle est vraiment l'inspiration qui vous a amené à produire cet album? Eh bien, l'inspiration, en fait, elle est multiple parce que cet album représente vraiment eh bien, toute la louange de l'église qui s'exprime de différentes manières. Parce que dans cet album, on a notre orchestre qui joue sur un titre, on a notre chorale gospel, on a donc le groupe de louange du dimanche, mais on a aussi capturé plein de moments différents que nous vivons durant l'année. Donc notre désir, c'était vraiment en fait, de vouloir eh bien, faire comme un patchwork de ce qu'on peut vivre au sein de l'Église et du coup de le présenter, voilà, c'est un peu ça. Et vous, Géraldine, je veux aussi savoir votre inspiration, en tout cas, ce que vous en pensez. Ah ben oui, en tout cas, cet album est pour nous une réjouissance de voir toute cette belle palette. Je crois qu'on a vraiment une grâce et on a notre ADN pour la louange au niveau de la Porte Ouverte. Donc cet album reflète notre vie de famille ici. Avec le peuple de Dieu, on entend bien le peuple de Dieu chanter. Ouais, et c'est exactement ce qu'on vit ici. Amen. Et c'est ce qu'on a voulu finalement transmettre. Oui, et dans votre... J'avais lu la sortie de presse, un peu ce que vous écrivez par rapport à l'album. Vous expliquez en fait que c'est vraiment important pour vous l'adoration et vous voulez que les gens puissent rentrer dans cette adoration. On va écouter tout à l'heure l'extrait de « Un moment avec toi ». Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de l'adoration pour vous qui êtes des chantres, vous connaissez c'est quoi l'adoration, mais pour le commun des mortels, celui qui vous écoute en ce moment, qu'est-ce que vous pourriez lui parler par rapport à la puissance de l'adoration? Alors, c'est vrai que l'adoration, moi, je pense qu'elle commence déjà chez nous, à la maison. Avant, le dimanche, on en parlait avant avec Matt. Ouais. Le dimanche, c'est la célébration, c'est le point final de la semaine. Mais l'adoration, pour moi, c'est ce cœur à cœur avec le Seigneur. Il y a une différence entre la relation que j'ai avec le Seigneur toute ma semaine et les temps d'adoration. Les temps de face à face, les temps où je rentre dans cette chambre haute. Et ça, c'est pas toujours simple, mais on essaie de le vivre chaque jour chez nous et ensuite à l'église avec le peuple de Dieu, c'est comme la cerise sur le gâteau, il y a une adoration avec toute sa famille. En tout cas, moi, l'adoration, c'est comme ça que j'aime la vivre, à la fois dans mes petits moments dans la semaine et c'est ensuite dans une grande célébration avec toute l'église. C'est pour moi comme ça que je vois l'adoration du lundi au dimanche. Ouais. Amen. Et on va écouter un extrait en fait de votre album, j'ai envie de dire un extrait de votre chanson phare, parce que c'est Un moment avec toi qui est le titre aussi de votre album. Et on va écouter tout de suite la vidéo. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Contempler encore ce que tu as fait. Redis.
Alléluia, j'ai beaucoup aimé. Yes. J'ai tellement aimé cette chanson, Un moment avec toi. Et j'avais une question vraiment que je tenais à ce que vous puissiez y répondre. C'est aujourd'hui, parce que dans justement votre communiqué de presse, vous parlez de cette chanson, Un moment avec toi, et qu'aujourd'hui, on est des fois distrait par des choses éphémères, des choses de la vie de tous les jours. Et j'aimerais vraiment vous donner la parole pour un conseil peut-être à donner aux chrétiens du 21e siècle qui est sollicité par son Instagram, par son Facebook, par les réseaux sociaux, par le travail, par toutes sortes de choses. Comment ce chrétien peut maintenir, peut créer des moments avec Dieu au quotidien? Ben, moi, je dirais personnellement, il n'y a pas vraiment de recette miracle, il n'y a pas de manière précise de faire. Mais c'est vrai que quand on veut passer un moment avec quelqu'un, généralement, on bloque du temps avec lui, on décide de prendre ce moment avec lui et dans nos agendas tellement remplis, c'est vrai qu'il arrive tellement souvent, et moi, je parlais même pour moi, de passer à côté de moments avec le Seigneur parce que j'ai rempli mon agenda de tellement de choses et j'ai oublié d'inscrire ce moment comme quelque chose que je ne peux pas rater. Comme un entretien d'embauche, je n'ai pas le choix, j'y vais. Et je crois que des fois, c'est un peu se forcer comme ça, à se dire, mais Seigneur, je veux te consacrer un moment rien que pour toi dans ma journée et je ne le toucherai pas. C'est un rendez-vous que j'ai avec toi. Mm-hmm. Et je crois que quand on toi dit de vivre comme ça sa foi, et ben ça prend des fois du temps, mais notre relation avec Dieu, vraiment, elle grandit. Et puis, on apprend à aimer ces moments. Là où des fois, au début, c'est un peu difficile, on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas trop quoi faire. Mais on apprend à revenir à ces moments parce qu'on se les met comme un rendez-vous immanquable. Et je crois que, en tout cas, pour parler pour moi, je crois que c'est une des clés pour mener une vie de foi qui soit réelle, concrète. Mm-hmm. Et pas juste, finalement, chanter de belles chansons. Mais le vivre, quoi, notre désir, ce serait de pouvoir dire à tout le monde que c'est possible d'avoir une relation avec Dieu, c'est possible d'aimer Dieu, c'est possible de le connaître si on prend ce truc tous les jours. Amen. Alors, plus un conseil de maman, hein, parce qu'on sait que les mamans, elles ont moins de temps encore. C'est vrai. Et alors, je ne sais pas si c'est possible pour tout le monde, mais moi, j'attends les moments où la porte se ferme, que tout le monde est parti à l'école. Mm-hmm. Et alors là, parfois, je me fais couler un bon café et je me dis, maintenant, je vais prendre le café avec le Seigneur. Mm-hmm. Et je me retrouve avec bien souvent, quand les enfants sont partis, avec mon petit café chaud et je commence à parler, à discuter. Et alors, j'en ai envie de prier. Et puis après, je pose mon café, je peux commencer à chanter. Et après, on oublie le café. Mais je sais que ce n'est pas facile tous les jours. Je sais qu'on ne peut pas souvent se poser quand ils sont partis à l'école parce qu'on a notre travail aussi. Mm-hmm. Mais chaque maman a quand même ce petit temps avant d'attaquer la lessive pour aller boire un café avec le Seigneur. Yes. Excellent. Amen. Excellent. Vraiment, merci Géraldine, merci Mathieu et vraiment merci à Porte Ouverte Louange Porte Ouverte, pour cet album et ce cri du cœur, je crois, et que vous traduisez vraiment très simplement aussi dans vos propres mots de passer un moment avec Dieu. Et cet album est là pour nous amener à passer un moment avec Dieu, pour inviter la francophonie à passer un moment avec Dieu, tel que EMCI est un ministère qui est là, qui invite la francophonie chaque jour à passer un moment avec Dieu, parce que tout est pour la gloire de Dieu. Et merci à vous de nous avoir accordé cette entrevue. Merci. Et ben voilà. Pour ce moment. Merci beaucoup. Merci. Soyez bénis. Ciao, ciao. Bye. Merci beaucoup, Nadine, pour cette présentation d'album qui vaut la peine, je pense, d'être procuré, non seulement parce qu'il va nous bénir, mais je pense aussi parce que c'est important de soutenir ce qui se fait dans la francophonie. On sait que la francophonie chrétienne n'est pas aussi gigantesque que la francophonie anglophone, mais ça va bientôt changer. Amen. Mais je pense que c'est important qu'on soutienne les initiatives francophones. Donc, on vous invite à vous procurer cet album. Donc, je vous rappelle notre thème principal, qui était que nous vous invitions à découvrir ce royaume inversé, à le vivre. Alors peut-être que naturellement, logiquement, spontanément, on n'a pas les réflexes du royaume quand on est avec des autres, quand on fonctionne dans notre vie du quotidien, parce qu'on n'a peut-être pas été programmé de cette façon-là, mais le royaume de Dieu doit s'installer en nous, prendre place en nous, et on vous invite aussi à... excusez-moi.
moi, à connaître la parole de Dieu pour vivre ce renouvellement d'intelligence dont on a parlé en début d'émission. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera le cœur de Dieu pour ceux qui souffrent. Nous allons voir comment Dieu considère justement ces enfants qui sont dans la souffrance. Et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » avec une sœur, Nicole, qui est venue nous partager ce qu'elle a vécu au moment d'une transplantation cardiaque, comment Dieu lui a sauvé la vie et comment surtout elle a compris combien Dieu l'aimait et était un bon père pour elle. Donc on se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.